Aujourd'hui, on va réaliser une petite carte de vœux. J'ai cherché et j'ai pensé à quelque chose de différent des sets de Noël, à savoir les nouveautés du catalogue printemps-été, c'est-à-dire ce set Bloom by Bloom, et qui, pour du coup, avec quelques petits motifs, on peut réussir à faire une carte de vœux. C'est pas parce que c'est un tampon printemps qu'il ne va pas forcément s'accorder à quelque chose de festif pour la nouvelle année. Donc là, je l'ai réalisé avec Merlot Magique et Ardoise Bourgeoise et puis du papier paillette argent. Aujourd'hui, je vais réaliser la même carte avec ce papier paillette turquoise. Et puis, je vais également utiliser ces dailles. Puis, je vais accorder avec du bleu nuit. Donc, j'utilise mon turquoise. Donc, je vais voir, je vais répartir quelques tampons en turquoise et quelques autres en bleu nuit sur un fond murmure blanc. Et souvent de fois, quand on a tendance à empiler des épaisseurs, on a tendance à rajouter du poids. Et là, en fait, je voulais vous montrer que avec simplement deux feuilles, donc du coup, et puis une base de carte, on ne sera pas en surpoids, on va dire, pour envoyer notre carte, puisque toutes les découpes vont se passer sur chacune des deux feuilles. Et en fait, on va venir découper en décalé chacun des deux morceaux. Donc on va peut-être commencer dès maintenant. Je vais donc commencer par tamponner mon papier murmure blanc. Alors pour ça j'utilise deux petits tampons. Donc celui-ci là qui ressemble à une étoile. Et puis j'utiliserai également l'autre qui fait une petite étoile. Une plus petite étoile, et j'ai également utilisé cette petite rangée de pois de différentes tailles. Premier papier by prêt. Je vais maintenant faire quelques découpes sur ce papier que je viens de créer. Alors vous pouvez également créer facilement des papiers comme ça avec juste un jeu d'estampes. Vous utilisez deux ou trois motifs du jeu d'estampes et puis vous répartissez sur votre papier blanc
Et ensuite, ça vous fait un papier à motif personnalisé. Je vais prendre mes formes. Alors, j'ai utilisé celles-ci parce que je les aime beaucoup, mais j'aurais pu utiliser des cercles, j'aurais pu utiliser des carrés ou des rectangles. D'ailleurs, des rectangles, vous aurez le plaisir d'en voir très bientôt puisque ça fait partie des nouveautés. Je vous en dévoile l'existence, mais c'est vrai qu'ils nous ont sorti des rectangles à effet couture. Donc, moi qui suis très couture à la base, forcément, toutes les découpes qui ont des coutures, j'accroche tout de suite, quoi. Donc, on va commencer donc par découper le moyen et le plus petit dans le papier qu'on vient de créer. Et je découperai le grand et le plus petit dans le papier paillette. Comme ça, j'aurai un grand qui sera à l'extérieur, le petit qui sera de la même grandeur que celui-ci, mais je vais le couper ensuite en deux pour le faire sortir vers le haut et vers le bas, tout comme on fait un peu avec une perforatrice. Quand on a une perforatrice étiquette, par exemple, et qu'on veut donner deux tons à notre étiquette, on découpe une première étiquette d'une couleur, puis une deuxième d'une autre, et celle qui est en dessous, on la coupe par le milieu ou par la diagonale, suivant l'effet qu'on veut donner, et on la fait ressortir de l'un ou de l'autre, enfin de l'un et de l'autre côté, pour avoir une nuance. Donc effectivement, il manque, entre guillemets, parce que on n'est pas obligé d'appeler ça un manque, puisque volontairement, donc nous n'avons pas de papier paillette qui ressort ici, mais nous l'avons ici, et donc du coup, ça fait cet effet un peu décalé qui ne fait pas une régularité parfaite, mais qui donne un joli effet, je trouve. Donc maintenant, il va nous rester à construire notre carte. Donc voilà, on récupère tous nos petits morceaux. Alors celui-ci, ce petit morceau-là, je vais le couper par le milieu. Quand j'utilise du papier paillette, j'évite de couper avec mon massicot. Bon là, pour faire mon rectangle, j'ai coupé avec mon massicot. Mais là, par exemple, cette petite découpe, je ne suis pas obligée de la passer dans le massicot parce que les paillettes sur la lame du massicot, ce n'est pas forcément ce que le massicot apprécie le plus. Donc je prends juste mon cutter. Et puis je passe au milieu ma lame. Donc voilà, donc ensuite, eh bien, on va commencer par monter nos petits morceaux. Alors, on va utiliser, alors sur le papier paillette, la colle adhère bien, mais il faut en mettre quand même suffisamment. Donc je répartis de la colle. Et je fais dépasser de chaque côté environ le même espace de papier paillette sur mon premier morceau de papier design. Et je vais faire la même chose sur le deuxième. Donc voilà, le premier morceau est prêt. Ensuite, on va prendre notre morceau de papier paillette sur lequel on va venir disposer celui-ci. Donc là, on a nos repères, hein. On va le mettre dans l'alignement. Le deuxième morceau est prêt. Ensuite, je vais coller celui-ci sur l'autre papier paillette, sur le fond paillette. Donc voilà. Et puis maintenant, on va venir installer. Alors là, je vais le mettre en dimension pour donner un effet de profondeur. Donc je vais utiliser mes petits dimensionnels.
ici. Je sais plus sur celle-ci, non, j'avais dû laisser de la même épaisseur. Je viendrai mettre ma dernière étiquette en dernière dimension. Bien, encore la même chose, hein, on fait attention de remettre au même endroit. Donc, pour permettre à la continuité de la fleur de se faire. Et voilà, donc on a une base qui est prête en dimension. Donc la carte est presque terminée. J'ai utilisé un petit message autre que meilleurs vœux, tous mes vœux, bonne année, etc. Puisque j'ai voulu utiliser une autre nouveauté qui est ce set de petits tampons, tout petit anniversaire, sur lesquels il y a une multitude de petits messages. Alors dessus, il y a tous nos vœux, mais je trouve que la formule que du bonheur, eh bien, ça s'adapte bien pour la nouvelle année. On souhaite que du bonheur. Donc voilà. Je vais, je pense, peut-être le tamponner en bleu nuit pour faire ressortir. Puisque là, sinon, je pense que il y aura un peu beaucoup de turquoise à mon goût. Donc, je reprends mon encre. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais mon tampon est doté de l'inscription que du bonheur. Et si vous me suivez ou si vous avez déjà vu comment je travaille, je n'avais pas pour habitude d'installer à l'arrière de mes tampons caoutchouc les dessins ou mots qui correspondaient. Sauf que, parce qu'auparavant, quand on installait à l'arrière de nos tampons caoutchouc ces petites étiquettes qui nous permettaient de voir le sens et de voir la forme, elles avaient tendance à empêcher notre tampon de coller correctement sur nos pads et du coup c'était plutôt désagréable, donc moi j'avais choisi le parti de ne pas les coller. Par contre, là, cette année, ils ont changé totalement leur système de collage, c'est-à-dire que nos petits tampons ont toujours donc l'arrière en caoutchouc avec la pellicule de protection, mais ici ce n'est pratiquement plus adhérent. Et par contre, lorsque l'on positionne cette étiquette, notre tampon devient très adhérent. Ce qui fait que maintenant, ça pose plus de problème avec nos tampons caoutchouc concernant l'adhérence et la tenue sur les blocs acryliques. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle et c'est vraiment bien que ce soit qu'ils aient remédié à cela. Donc j'ai encore utilisé une découpe couture. Donc ça, vous la connaissez sûrement puisque c'est une découpe qui vient d'un set qui est au catalogue annuel. Et qui s'appelle le set cousu avec soin. Donc on a plein de petites étiquettes. Je pense que bah, ce set, je l'adore, puisque comme je vous disais, j'adore tout ce qui est couture. Donc ce set est au catalogue annuel et je l'adore. Et du coup, j'utilise très très souvent cette petite étiquette. Donc voilà, j'ai découpé mon étiquette que du bonheur. Je vais également la mettre en dimension. Donc, quand vous mettez en dimension comme ça de longues étiquettes, j'ai tendance à dire de bien répartir les plots de dimensionnal pour ne pas avoir une étiquette qui penche d'un côté ou de l'autre. Enfin, ce serait vraiment moins joli, hein. Il faut quand même s'attarder à ce que notre étiquette soit bien équilibrée. Je vais lui ajouter quelques petits strass. Donc, je vais en positionner sur chaque centre de mes étoiles. Voilà, donc là c'est l'idéal hein, puisqu'on la décolle et voilà, si elle ne vient pas, ben, on arrive à la décoller facilement et puis si on l'échappe, eh bien au moins on peut la repositionner. Peut-être je vais en recoller une ici également. Alors même si c'est un petit peu en dessous, je la mets puisque on voit quand même majoritairement, voilà, comme ça. Et puis je vais Notre carte est maintenant terminée, donc ça permet de faire une petite carte facilement, assez rapidement, sans utiliser beaucoup de papier. Vous avez utilisé un set de tampons, un papier paillettes. Donc voilà, ces deux cartes sont prêtes à être envoyées. Bon, ben, bonne fête à toutes et puis à très bientôt. Bon après-midi. Au revoir.